Ces images à présent des salariés de la crèche du Canet dans le 14e arrondissement. Ils manifestaient pour dénoncer les agressions dont ils sont victimes depuis le début de l'année. Il y en a eu 6 en tout. Dernière en date, lundi, c'est une grand-mère qui a été attaquée alors qu'elle venait chercher sa petite fille. Sa réaction est celle d'autres manifestants au micro de Marie-Pierre Villaverde. Je roulais à 20-30 à l'heure, il m'a sauté dessus en m'arrachant les bracelets et en me mettant une main sur la gorge pour le collier. Franchement, j'ai eu peur et là je suis venue aujourd'hui pour la manifestation et je ne vous dis pas que je me suis enfermée dans la voiture. On n'est plus à l'abri de rien maintenant. En plus, je viens à pied donc ça angoisse un peu. Hein. Si jamais il m'agresse alors que j'ai le petit à la main, où on va? Malheureusement, on est obligé d'avoir un sac à main avec nos papiers. Voilà, à l'heure actuelle, on n'a plus de bijoux du tout, on a tout levé. Parce que, bon, mais on ne peut pas, ils nous arrachent, ils nous plaquent.